Donc, salut à tous, Without You de David Guetta featuring Usher. On va commencer capot, seconde case à la guitare et que des accords faciles pour cette chanson. On va en avoir 4 et demi, on va dire. On va avoir un Do, donc le Do classique, vous connaissez. On aura un Fa que je vais jouer en mini barré. Donc, le schéma de reste affiché, donc le mini barré c'est avec l'index case 1 sur les cordes Mi et 2 et Si. Vous jouez que les 4 cordes Ré, La, Ré, Sol, Si, Mi. On aura également le Fa majeur 7ème, c'est-à-dire en fait c'est comme le Fa en mini barré, sauf qu'au lieu de faire un barré, vous faites juste l'index case 1 sur la corde de Si. Et vous jouez toujours les 4 dernières cordes, donc la corde Mi aiguë à vide. En fait, le Fa majeur 7ème interviendra pendant l'arpège et le refrain. Et ensuite, on aura un La mineur. Pour finir sur un Sol pendant le refrain. Là, je le joue avec annulaire ou auriculaire, mais vous pouvez le faire qu'avec l'annulaire, c'est pas bien gênant. Et voilà pour les accords main gauche. Passons à la rythmique main droite. En fait, ce que je fais, c'est que pendant les couplets, je vais faire le premier couplet en fait rythmique. Ensuite, il y a trois autres couplets pour le début de la chanson. Il y a trois autres couplets que je vais faire en arpège avant d'attaquer le refrain. Et donc, la rythmique, en fait, ça va être tout le temps la même sur chaque accord. Ça va faire bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Au ralenti. Bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Ça, c'est la rythmique globale du morceau. En fait, le truc qui fait que ça va sonner à peu près comme le morceau, c'est les variations qu'on va faire, surtout main gauche, en fait. Donc la rythmique sera toujours la même sur chaque accord. Bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Donc, de toute façon, je marquerai toutes les infos comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et donc, bah, c'est parti. Alors maintenant, les accords déjà des couplets, ça va être tout le temps les mêmes. On va avoir Do, suivi du Fa, en mini barré cette fois, pas le Fa majeur 7ème, Fa mini barré, donc mini barré avec l'index. La mineur. Et Fa. Et on fait ça deux fois par couplet en fait. Je dis des conneries, on ne fait ça qu'une fois par couplet. Oui, on fait ça une fois par couplet en fait. Donc, je regarde la tablature, comment elle est découpée en fait. Ouais, ben, c'est pas la bonne que j'ai. J'en referai une de toute façon. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une fois la rythmique. Enfin, une fois la rythmique pour l'intro, une fois pour le premier couplet, et ensuite trois fois un arpège. Je pense que c'est clair. Donc, une fois rythmique pour l'intro, une fois cette séquence d'accords pour le premier couplet, et ensuite trois fois pour l'arpège. Et ah oui, les variations, parce que c'est ça que je voulais voir. Donc, on commence Do, on répète les accords, Do, la séquence d'accords Do, Fa, La mineur, Fa. Voilà la séquence d'accords. La variation en fait va intervenir sur le deuxième coup vers le haut. Donc je vous rappelle la rythmique. Bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Et la variation, on va mettre la variation sur chaque accord, ce sera l'auriculaire casse 3 sur la corde de mi aiguë. Donc sur le Do, sur le Fa, sur le La mineur, pareil. Exactement la même chose. Et il va intervenir ce petit doigt sur le deuxième coup vers le haut, donc bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut. Et vous l'enlevez sur le dernier coup vers le haut. Donc bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Parce qu'en fait, le dernier coup vers le haut va être pendant le changement d'accord, donc c'est évident qu'on l'enlève en fait. Donc bas, haut, bas,
variation, O, pardon, ba, O, ba, O, variation, O, ba, O, ba, O, ba, O. Ba, O, ba, O, O, ba, O, ba, O, ba, O, O, ba, O, ba, O, ba, O, O, ba, O, ba, O, ba, O. Donc voilà, en fait, c'est toujours pareil. Hein. Et on fait ça donc, cette rythmique, deux fois par accord. Je vous fais le premier couplet en entier. Donc voilà pour le premier couplet en rythmique. La rythmique sera toujours la même. Les variations également. Donc une fois que vous avez pigé pour un accord, vous avez pigé pour tout le couplet. C'est ça qui est chouette. Et maintenant, on va passer sur la partie arpège que je joue moi au médiator. Vous pouvez la faire au doigt. Sachant que je vais essayer d'incruster la tablature dans la vidéo. Et je vais essayer de vous montrer les deux mains en même temps. Et donc en fait, ça va être les mêmes accords. Donc Do. Cette fois, on fera un Fa majeur 7ème encore plus simple. En fait, vous passez du Do au Fa majeur 7ème en descendant juste le majeur et l'annulaire. Suivi d'un La mineur et du Fa majeur 7ème. Et pour le schéma d'arpège, ça va être quasiment le même. Il y a juste la basse qui va changer en fait. Donc, je vous le fais une fois. C'est pas grave. Donc sur le Do, en fait, on va faire case de La, la basse. Ensuite, on va faire Mi. Vous plaquez un Do à main gauche, on va pas bouger. Et ensuite, pour l'arpège, main droite. Alors, si vous jouez avec les doigts, le pouce pour les basses et les cordes de Sol avec l'index, corde de Si avec le majeur, pardon, et corde de Mi avec l'annulaire. Voilà, donc au choix, hein, au doigt ou au médiator. Et donc pour le Do, je reviens. Corde de La, ensuite corde de Mi, corde de Si, corde de Sol. On fait ça une fois. Corde de Mi, corde de Si, corde de Sol. Et au lieu de faire la basse une deuxième fois, on va rejouer la corde de Mi aigu. En fait, c'est comme si on faisait une fois la basse et le petit truc Mi, Si, Sol. Donc basse, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Sol. Sauf qu'au lieu de reprendre la basse, je vais rejouer l'accord de Mi aigu cette fois. Et refaire pareil, Mi, Si, Sol, Mi, Si, Sol. Donc en entier, sur le Do. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'avais oublié une note sur la tablature, c'est bien ce qui me semblait. Donc, hop, je recommence une fois. Donc, sur le Do, en fait, on fait corde de La, corde de Mi, corde de Si, corde de Sol. De nouveau, corde de Mi, corde de Si, corde de Sol. Ensuite, vous allez jouer, au lieu de jouer la basse, vous allez rejouer la corde de Mi aigu. Et là, vous recommencez Mi, Si, Sol, Mi, Si, Sol. Et vous finissez sur la corde de Mi aigu à vide. Et là, vous changez d'accord. Donc au ralenti. Et là vous changez d'accord. Une dernière fois sur le Do. On change d'accord. Là cette fois, au lieu de jouer la corde de La en basse, on va jouer la corde de Ré. Et on rechange l'accord sur La mineur, et là on va rejouer la corde de La.
Pour repasser sur le Fa majeur septième. Et vous faites ça trois fois avant d'attaquer le... Enfin, trois fois la séquence. Hein. Do, Fa majeur septième, La mineur, Fa majeur septième. Faites ça trois fois avant d'attaquer le refrain. Et donc, au ralenti. Donc voilà pour l'arpège et pour la partie refrain, donc maintenant, qui va se jouer sur un Do, suivi d'un Fa majeur septième et d'un Sol. Donc ça donne un truc comme ça. Non, je veux faire d'abord une version simplifiée que j'avais marquée. Donc ça ferait Ba, O, Ba, O, Ba, O. Donc on fait sur le Do, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O. Ba, O sur le Do et ensuite Ba. Sur le Fa majeur septième, donc c'est Do, Fa majeur septième. Sur le Do, Ba, O. Fa majeur septième, ça fera Ba, O, Ba, O. Vous pouvez faire un Fa en barré si vous préférez. Moi, je trouve que ça sonne pas mal le Fa majeur septième et c'est plus simple, donc à vous de voir. Donc ça fait Ba, O sur le Do, et ensuite Ba, O, Ba, O. Et ensuite, on va voir un petit truc pour finir. On jouera trois fois cette séquence, c'est-à-dire Do. Fa majeur septième, donc ça va un truc comme ça. Deuxième fois. Troisième fois. Et on finira sur pull off 1, 0, sol. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais je trouve que ça sonne pas mal. 1, 0 sur la corde demi-aigu, sol. Donc ça va un truc comme ça, j'en commence. Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba. Ce que ça donne, je refais une fois, donc Ba, O, 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 Ba, O. Et sur le sol, vous faites Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, et vous recommencez. Etc. pour le refrain et ensuite vous recommencez sur le couplet. Par contre il y a une deuxième façon de la faire un peu plus juste pour donner un peu plus de rythmique en fait, et ça va faire juste au lieu de faire bas haut sur le Do, on va faire bas haut bas haut. Vous faites pareil, la même rythmique que sur le Fa majeur septième. Ba, O, Ba, O, Ba, et vous changez d'accord. Ba, O, Ba, O, vous changez d'accord. Ça, c'est une version un peu plus difficile puisqu'il faut aller assez vite main droite. Donc voilà pour le refrain. Donc oui, après le Fa majeur 7ème, je répète une fois quand même. Faites 1, 0, Sol. Case demi, hein. Corde demi, première case, pull off. Donc voilà pour le premier refrain. Ensuite, ce qu'on fait, moi ce que je fais dans la chanson.
pour coller à peu près à ce que j'entends du moins. Je vais refaire deux fois la rythmique par contre cette fois. Parce qu'en fait, l'arpège correspond à la partie synthé qu'on entend, synthé piano qu'on entend dans la chanson. Et donc, les deux couplets suivant le refrain, en fait, on n'entend pas, donc je fais en rythmique. Comme ça. Et ensuite, je fais ça deux fois, donc deux fois la séquence d'accords pour les deux premiers couplets en rythmique. Et ensuite, je repasse en arpège. Et ensuite, on recommence sur un refrain. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ce sera clair. De toute façon, je mettrai la tablature avec le maximum d'infos comme d'habitude. Ciao, bye.